Mais pourquoi c'est fermé à clé? Ça doit sûrement être Ken qui a fermé à cause de notre dispute. S'il veut se la jouer comme ça, je vais me trouver un nouveau petit copain moi. Bizarre. J'ai parcouru toute la map de Brookhaven et j'ai vu aucun ennemi aujourd'hui. Ça fait déjà au moins 3 semaines que j'ai pas affronté quelqu'un. Je commence vraiment à m'ennuyer. Je vais peut-être essayer de parcourir encore la map. J'aurai peut-être un peu plus de chance. Hein ? C'était quoi ça ? Hein ? Pourquoi il y a une voiture là ? Hein ? C'est quoi cette voiture rose bizarre là ? Hein ? Mais elle va où ? Je vais essayer de la retrouver. Ça avait l'air d'être une fille. Hein ? Elle est là, sa voiture. Qu'est-ce qu'elle fait ? J'arrive pas à comprendre. Qu'elle va ? Hein ? On dirait qu'elle... Elle s'arrête devant chez moi ? Mais pourquoi faire ? C'est trop bizarre, attendez. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais essayer de m'approcher doucement. C'est qui cette dame ? Je la connais pas. Elle va à l'entrée. Bizarre. Vous savez c'est qui, vous, les abonnés ? Elle vient de sonner. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans la maison et faire comme si j'étais jamais sortie. Allez, je vais rentrer par une fenêtre. Oh, j'ai l'impression que je suis Spider-Man qui rentre chez lui avant que les autres ils le retrouvent. J'arrive. Bonjour. Madame, vous allez bien? Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Barbie. J'aimerais parler à un garçon de cette maison. Je suis un garçon, moi déjà, je me souviens plus. Je rigole. Oh, la question bizarre. Ah, je suis là si vous voulez. Vous voulez dire quoi? Il faut que je rende jaloux mon petit copain car on s'est disputé. Tu peux m'aider s'il te plaît? Les gars, est-ce que je l'aide? Oh non, je sens que ça va me mettre des problèmes encore. Si je fais genre que je suis amoureux d'elle, son petit copain il va être jaloux, mais Odette aussi. Ça sent pas bon pour moi, les gars. Non, ça je peux pas accepter. Oh bah elle a l'air tellement gentille. La pauvre, si je l'aide pas, elle réussira jamais. Si je l'aide pas, elle va être obligée de demander à des gens. Et bon, elle a l'air super gentille. Donc j'ai pas envie qu'elle se fasse arnaquer par d'autres personnes super méchantes. C'est vous qui décidez, si je l'aide ou je l'aide pas. Si je l'aide, vous dites plus 1 dans les commentaires, et si je l'aide pas, vous dites plus 2. Madame, c'est juste que j'attends que les abonnés me disent si c'est bon ou pas. C'est eux qui décident. J'ai l'impression de faire un 24 heures où vous contrôlez ma vie. Ça pourrait être pas mal de faire cette vidéo d'ailleurs. Je garde. Faites vite car il m'a enfermé dehors ce nulot. Attends, mais carrément, il vous a enfermé dehors? Mais il est trop méchant votre petit copain en fait, il a peut-être décidé de le quitter en fait. Et toi, t'as une copine? Ouais, bon, vas-y, entre déjà, parce que... Si, on va pas parler comme ça derrière une porte toutes les 5 minutes, hein. En un centon. Vas-y, entre. Oui, j'en ai une. Elle s'appelle Odette et il vaudrait mieux pas qu'elle sache que je vous parle, sinon elle va me gommer. Elle va vouloir m'arracher les yeux et me couper les cheveux. Regardez ma belle coupe. Je suis allé chez le coiffeur hier, il m'a dit que ça m'a coûté 50 euros. 50 euros! Ouais, l'inflation, elle est trop importante. Bon, on n'est pas là pour parler de problèmes. Les abonnés, ils sont en train de dire que je dois t'aider. Parce que t'es super gentil, normalement. Par contre, je tiens à prévenir qu'il y aura rien entre nous. Hein. J'ai déjà une petite copine, alors je vais pas commencer à la trahir. Hein. Ok, je veux juste rendre jaloux Ken. Ah bah vas-y, ça c'est très simple. Comment on peut faire? Peut-être je peux la mettre en relation avec Patate. Moi non, Patate, il est trop petit, il sait même pas comment parler à une fille. Ouais, je suis le seul espoir pour t'aider, là, clairement. Bon, d'accord, j'accepte. Qu'est-ce que tu veux faire pour commencer? On va prendre une photo tous les deux et lui envoyer. Vas-y, bah moi je sais bien prendre des photos. Donc vas-y, viens à côté de moi, on va le faire... Ah, je suis vers ta voiture, elle est trop belle en plus. Bah viens, on va faire là-bas. Ça sent pas bon, je me mets dans des histoires vraiment pas cool. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Vas-y, bouge pas, je prends la photo. Hop, voilà, ça c'est parfait. Tiens, je te l'envoie sur ton téléphone, comme ça t'as qu'à lui envoyer déjà. Je lui envoie avec plein de cœurs brisés et des couteaux. Oula, comment ça, des couteaux? Attends, mais c'est pas Barbie, là, c'est... Wesh, elle fait peur cette Barbie, en fait. Elle est monstrueuse, si ça se trouve. Oh non, quelle erreur j'ai fait! Personne n'a le droit de quitter Barbie, la reine des plus belles. Oula, plus je l'entends, plus j'ai peur.
Vas-y, maman, faut juste que j'aille chercher un truc à manger. Je reviens. Ok, faut que je ferme ma clé. Oh non, elle m'a fait trop peur. Ah, je suis libre. Enfin tranquille. Il essaie de fuir ou je rêve? Je vais toquer à la porte. Elle essaye de toquer à la porte, tu l'as entendu? Je vais m'échapper par la fenêtre. Oh, c'est où? Ok, je pense qu'elle m'a pas vu m'échapper. Elle a l'air d'être toujours là. Elle est toujours devant ma maison ou pas? Elle est toujours là. Je vais essayer de l'espionner, mais je pense qu'elle va comprendre que je suis partie. Ouais, regardez! Elle est en train de retourner à sa voiture. Ok, elle est en train de partir. Super! Tant mieux pour moi! Oh, je l'ai échappé, belle. Elle était bizarre, cette Barbie. Au moins ici, je suis tranquille. Bon, je compte sur vous, les abonnés, pour pas dire ça à Odette. Hein. Elle doit pas l'apprendre, sinon elle va me couper les yeux. J'aurais qu'à dire que c'était juste une fan qui voulait une photo, je savais pas qu'elle était amoureuse aussi. Hop, voilà, j'ai posé mon colis. Pfiouf. J'ai reçu un truc qui marchait même pas, je l'ai renvoyé pour me faire rembourser. Bah ouais, j'allais pas payer pour un truc qui marche pas. Je suis pas débile. Hein? C'est quoi cette notification? Pourquoi tout le monde dit que Oda m'a trahi avec une autre fille? Ça recommence. Je veux vraiment lui casser la bouche une bonne fois pour toutes à lui. Pas la première fois que ça arrive. Qui ça peut être cette fille? Vous savez, vous les abonnés? Dites-le moi tout de suite. Sinon, c'est Oda qui va prendre cher. Barbie. Mais pourquoi Barbie, elle essaye de me piquer mon copain? Elle a déjà qu'elle. Elle est vraiment chiante, elle. Je vais me transformer. Ça y est. Elle va voir ce qu'elle va voir, celle-là. Hein? J'ai reçu un message qui me dit qu'elle habite ici. Attendez, me dites pas que c'est elle. Elle est super belle. Elle est plus belle que moi. C'est pour ça qu'Oda, il va la choisir elle si ça continue. Vous pensez que Oda, il va la choisir elle? Peut-être que Oda, en fait, il est pas du tout en train de me trahir. C'était peut-être une erreur des abonnés. Je vais quand même la gommer. Comment ça, elle touche à mon petit copain? Toi là, regarde-moi tout de suite. Qui es-tu? Mais en plus, tu oses te moquer de moi. Faire genre que tu me connais pas. Je suis la copine de Oda. Et mon nom, tu l'oublieras jamais. Parce que je suis ton pire cauchemar. Je suis Odette. Ça lui apprendra à toucher à mon petit copain, lui. Elle est trop bête. Comment elle a fait pour être en vie? C'est tout ce que tu sais faire? Elle a l'air d'avoir aucune égratignure. C'est trop bizarre. Je crois que j'ai fait une erreur, les abonnés. Elle venait vite, Oda. Elle s'est téléportée. Je suis pétrifiée, je peux rien faire. Prévenez vite, Oda. Précédemment dans les aventures de Prodeur. Bonjour, je suis Barbie. Et quoi, est-ce que je l'aide? Et des couteaux. Je vais m'échapper par la fenêtre. Je suis la copine de Oda. Elle s'est téléportée. Je viens de mettre de l'essence dans ma voiture. Ça fait plaisir. Qui c'est qui m'appelle à cette heure-là? Allô? Bonjour, si vous voulez revoir Odette, il faut que vous me donniez 1 million de Robux. Un million de Robux? Comment ça pour revoir Odette? Qu'est-ce qui se passe? Les abonnés, je comprends pas ce qui arrive là. Oh non, pourquoi dans les commentaires vous êtes tous en train de dire que Odette elle est en danger? Qu'elle s'est fait kidnapper par les... Par Barbie? Attendez, comment c'est possible que Barbie elle ait kidnappé Odette? Ça veut dire que Odette elle est au courant que j'ai fait une photo avec elle. Oh, elle a dû aller la voir pour l'affronter. Mais comment Barbie a pu la vaincre? C'est trop bizarre, ça me plaît pas du tout. Bon, je vais devoir abandonner ma voiture ici. Je vais aller chez Barbie et essayer de sauver Odette. Odette, j'arrive.
Je vais te sauver, je te promets. Regardez, c'est la maison de Barbie. Il y a même de la fumée. C'est bizarre. Je vais entrer. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est la seule piste que j'ai pour retrouver Odette. Hein? Wesh, c'est sombre. C'est ça la maison de Barbie? Hein? C'est qui lui? Ça doit être Ken. Bizarre. C'est lui le petit copain de Barbie. Je vais aller lui parler, peut-être qu'il sait où elle est. Salut Ken! Salut, tu es Oda? Oui, c'est moi. Où est Odette, pinaise? Je sais où Barbie l'a emmenée. Bah dis-le-moi alors! Mais d'abord, tu dois m'aider à sauver Barbie. Sauver Barbie? Oui, car elle est pas méchante, normalement. Car c'est juste elle qu'elle est contrôlée par les Skibidi Toilettes! Encore eux! OMG, c'est fou ça! Oui, alors tu dois m'aider à trouver 10 jouets Barbie? 10 jouets Barbie, bizarre, hein. C'est le seul moyen pour qu'elle batte le toilette qui la contrôle. Ok, je m'en occupe. Parfait, merci. J'ai pas le choix, les gars, il faut que je sauve Odette. Et s'il faut trouver des jouets Barbie pour ça, je suis prêt à tout. Mais pour trouver des jouets Barbie, faut que j'aille où? Ah, je comprends pas. C'est trop compliqué. Ah, il y a une fille là-bas. Mais elle est stylée, sa tenue. Hello Kitty et tout. Bonjour. Mademoiselle. Bonjour. Oh, tu es trop mignon, tu es tout jaune. C'est la première fois que tu vois quelqu'un comme moi, hein? Oui, bien sûr, tu veux un truc? Oui, je cherche des jouets Barbie. Ah super, j'en ai trouvé quelques-uns hier. Et ils sont où? Dans ma maison, à l'intérieur. Je peux entrer? Non, j'ai perdu la clé. Ah ouais, elle est bête. Mais elle doit pas être loin. Va falloir que je trouve la clé, les abonnés. Bon, d'accord, j'en reviens, hein? Je vais m'envoler et essayer de trouver la clé comme ça. Est-ce que la clé, elle est par là? Vous pensez qu'elle est dans cette maison? Je vois une Barbie, là. Oh, c'est sûr que c'est là. Mais où est la clé? Peut-être que... elle est dans cette maison, peut-être. Ça doit être ça. Est-ce que cette maison, elle est ouverte? Il y a deux Barbies. Oh! Les gars, j'ai trouvé des Barbies, déjà, pour commencer. J'en ai une ici. Parfait. Deux Barbies. Super. On va fouiller toute la maison pour voir s'il y en a d'autres. Ici, on n'a pas. Je vais fouiller ce meuble. Oh, j'ai trouvé une clé. Ça peut être ça si ça se trouve. Attendez, il y a un étage déjà ici. On va aller voir s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une Barbie? Non, il n'y a pas de Barbie. Sur le balcon. Non, on ne peut pas y aller. Ah si. Sur le balcon. Oh, regardez, il y a une Barbie juste ici. Attendez, je ne sais pas si je peux marcher. Oh si, je peux. Hop, c'est bon, je l'ai prise. Elle est dans mon sac à dos, vous inquiétez pas. Oh, il y a une caméra là, je n'avais jamais vu. Ok. Hop, j'ai la clé d'ici. Hop, c'est bon, je peux entrer. Super. J'ai vu qu'il y a une Barbie là-haut, mais il faut que j'aille la récupérer dans le garage. Y a pas de Barbie, les mecs. Est-ce qu'il y a une Barbie là? Une Barbie ici, peut-être? Non. Une Barbie ici? Non. Ok. Et voilà, j'ai trouvé la Barbie. Ok, est-ce qu'il y en a une deuxième? Oh, il y en a une deuxième! Une troisième! Wow, mais c'est le jackpot! J'en ai déjà 6! Et il m'a dit qu'il y en avait 10, c'est ça? Donc il m'en manque plus que 4. Allez, maintenant, il m'en manque plus beaucoup. Mais où elles peuvent être, ces Barbies? Je vais essayer de me rapprocher du centre de la ville, ça sent bon, cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est qui cette dame là-bas? Je vais aller la voir. Oula, elle est bizarre, elle, regardez. Qui es-tu et que me veux-tu? Je cherche des jouets Barbie. Peux-tu m'aider? Oh, je déteste les Barbie, c'est pour ça que j'ai ce collier. Ah ouais, un collier Barbie. D'accord. Tu vas faire quoi avec les Barbie? Je vais les donner à Barbie. Je peux pas t'aider, dégage de là. Ah, wesh, trop méchante. Comment elle m'a parlé de fou? Attendez, je vais réessayer. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche des jouets Barbie, tu peux m'aider? Tu vas faire quoi avec les Barbie? Les offrir à des enfants tristes? Je déteste les enfants tristes, dégage de là. Oh non, c'est pas ça qu'il faut que je lui dise. Attention, je vais réessayer autre chose, les gars. Qu'est-ce que tu vas faire de ces Barbie? Les brûler. Oh. Ok, d'accord. Alors, un des jouets se trouve sur l'église. Oh là là, elle est trop bête. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Oh là là. Je vais clairement pas la brûler, la Barbie, parce que sinon, je pourrais jamais sauver Odette. Ça doit être celle-là. Ok, donc là, on en a 7. Oh, il en manque plus que 3. C'est génial. Ouais. Oh, c'est trop mignon, c'est un petit poney ou... Ah non, c'est un papillon. Ok. Bonjour à toi, tu es vraiment beau.
Merci, toi aussi tu es joli animal. Merci beaucoup, tu veux que je t'aide? Oui, je cherche des jouets Barbie. Mince, trop triste. Oui, c'est trop triste. Je vais te donner un indice car je crois savoir où il y en a un. Oui, dis-moi où. Alors tu vas pour dormir, voilà mon indice. Tu y vas pour dormir? C'est quoi cet indice de Wish? C'est où qu'on va pour dormir, les gars? L'hôtel? On va essayer l'hôtel pour commencer, et si je trouve pas, c'est bizarre. Bon, les gars, est-ce que vous voyez une Barbie, vous? Où se trouve le jouet Barbie? Il pourrait être n'importe où. Peut-être que vous avez une idée. Ça pourrait être cool si vous pouvez m'aider. Bon, je vais essayer de chercher par moi-même pour commencer. Peut-être que c'est là. Attendez. Ici? Oh, peut-être que c'est là. Oh, non. Oh, vas-y, il est où? Je vais pas fouiller toutes les chambres. En plus, elles sont fermées. Sur le logo. Oh, vous avez raison. Oh, il est juste là, regardez. Oh, je l'ai pris. Oh, super, il m'en manque plus que deux, ça veut dire. Oh, il y en a un juste ici. Oh, génial, j'ai failli le louper en plus. Hein. Allez, hop, je le récupère aussi. Oh là là, il m'en manque plus que un. Oh, le dernier jouet. Voilà, je les ai tous. Vite, il faut que j'aille vite à la maison de Barbie, parler à Ken et lui demander où est Odette. Ken, salut, tu es Oda? Oui, c'est moi. J'ai les Barbie, où est Odette? Elle se trouve à la grotte du lac Madison. Super, merci. De rien, beau boss. Ok, vite. La voilà. Barbie, te voilà enfin. Comment tu m'as trouvé? C'est ton petit copain Ken qui m'a aidé. Il m'a dit que t'étais... Et regardez, j'avais raison. Et lui aussi. Elle est contrôlée par un Skibidi Toilette. Il faut que je l'aide. Il m'a dit que t'étais contrôlée par les Skibidi Toilettes, donc que je devais pas te gouer. Est-ce que tu peux me rendre Odette gentiment et tout se passera bien? Non, jamais tu vas goûter à ma nouvelle puissance. Sa nouvelle puissance? Comment ça, sa nouvelle puissance? Wesh! Elle va se transformer! Wesh! C'est Barbie! Transformation rouge! Oh, faut que je m'éloigne! Je ressens sa puissance d'ici! Elle est très très forte, les gars. Il faut pas la sous-estimer. Oh, j'ai grave peur. Qu'est-ce qu'elle nous réserve encore? Oh, oui, je m'envoie du pouvoir devant! Elle est très forte. Je me suis fait gommer par une Barbie. Je me laisserai pas faire. Je vais lui montrer que moi aussi je suis très puissant. Super pouvoir! Team jaune! À moi de jouer. Quelle technique je vais lui réserver cette fois-ci? Je sais, je vais utiliser mon shuriken électrique. Il ne pourra pas me vaincre, je suis trop puissante. À moi de jouer! Prends ça! Dans ta face! Elle a aucune égratignure. Elle est très très forte. À mon tour. Hein? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Il ne faut pas énerver une fille en puissance. Oh, j'ai failli me noyer. Elle est trop forte. J'ai même plus assez de force pour me transformer en cheveux bleus. Je vais me cacher. Je reviendrai plus fort. Je peux pas faire ça. Je suis dans un bâtiment, elle peut pas venir là. Ah non, j'ai perdu ma transformation carrément. Oh, elle fait trop peur. Je crois qu'elle est là, les gars. Je la vois, elle est juste devant la maison. Qu'est-ce qu'elle prépare cette fois-ci? Je me cache à l'arrière. C'est le seul moyen que je survive. Hey, toi là, grognasse. Tu touches pas à mon Oda. Sinon, tu vas m'énerver. Comment elle s'est libérée? Je me suis libérée avec ma puissance. Je vais te montrer à quel point tu n'aurais pas dû m'énerver. Cette Odette que tu vas voir, tu n'aurais jamais dû la voir. Et ce sera la dernière fois que tu la verras. Crois-moi, tu vas regretter tout ce que tu as fait. Odette, colère, prends ça!
Elle essaye de résister, mais elle n'y arrivera pas. Elle se la pète, comme si ça ne lui faisait rien. Je vais lui montrer qui je suis. Puissance double. Je crois que je l'ai eu. Elle est à terre. Et ma tête. Allez, viens-là, viens-là. Voilà, c'est bon. Elle est redevenue normale, la Barbie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé, Odette. Toi et Oda, vous êtes vraiment des super-héros. Ah, c'est trop gentil. Merci. Oda va être super content que t'aies dit ça. Et par contre, je veux plus que tu le vois, ok? Parce que sinon, t'auras affaire à moi. Oui, bien sûr, et t'inquiète pas, j'ai déjà un copain de toute façon. Je préfère ça. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Et que je la revois plus tourner autour d'Oda, elle. C'était Odette? Odette? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben ça y est, je l'ai eu. T'inquiète pas, elle reviendra plus t'embêter. Elle est plus contrôlée par les Skibidi toilettes. Comment t'as fait pour la vaincre? T'as dû être super forte. Bah bien sûr, tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour une Barbie ou quoi? Oh non non non, t'es même plus forte que moi sur le coup. Je compte sur toi pour m'aider pour les Skibidi toilettes. À chaque fois qu'on veut se battre contre eux, ils se cachent. Donc je pense qu'ils préparent un sale coup. C'était que le début, hein. Tout ce qu'on a vécu depuis le début, là, c'était rien comparé à ce qui va arriver, j'en suis sûre. Aïe! Et n'oublie pas de mettre un like! Et si surtout t'as regardé jusqu'au bout, marque transformation dans les commentaires. Et salut! La 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 la, je m'en fous de toi. La 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 bla bla, que des blabla avec. Ah, ça fait du bien de sortir. Les gars, j'ai eu un problème. Je sors encore de l'hôpital parce que j'avais un peu une constipation des fesses et du coup j'arrivais pas à faire caca. Alors ils m'ont donné un médicament pour que ça sorte tout seul. Sauf que c'est bien sorti. Trop bien sorti. J'ai cassé les toilettes carrément. C'était pas beau à voir. Odette, ça va? C'était pas trop dégueulasse pour toi? Non, ça va? Ah bah super. Bon, viens. On va aller acheter des petits chips, là j'ai faim. T'as vu ça, Odette? C'est Barbie, mais en plusieurs fois. Oda, je veux t'épouser, reste près de moi, pars pas. Oda, fais-moi un bisou sur la bouche. En plus, j'ai du rouge à lèvres. Comment ça? Je suis jalouse, viens, on part. Odette, je te jure, c'était pas prévu. Pourquoi il y a autant de filles qui veulent me pécho, là? Je sais pas quoi faire, Odette. Je pense qu'on devrait courir. Cours, Odette, cours, cours. Oh non, non, ça commence. Je savais que j'aurais pas dû répondre à ce mail. Il me disait, si vous voulez trouver une meuf, cliquez sur le lien. J'aurais pas dû. Oh là là là. Odette, il faut qu'on court. Si jamais on est séparés, il faudra qu'on se retrouve. Et il faudra peut-être qu'on trouve une solution comment les arrêter, parce que là, elles ont l'air nombreuses. Hein. Tiens, suis-moi, j'ai une idée. Déjà, elles ont l'air d'être un peu lentes pour l'instant. Heureusement pour nous. On va pouvoir un petit peu en réfléchir à un plan ou quelque chose pour s'en débarrasser. On connaît bien Barbie. Tu l'as déjà affrontée une fois. Mais tu m'avais raconté que c'était de justesse. Là, elles sont 5. Comment on va faire? Même moi, j'ai pas réussi à en battre une. Regarde, elles sont tout là-bas. Elles sont juste en face de nous. Elles sont en train d'arriver. Oh, il y en a une qui s'est arrêtée carrément. Ouais! Elle fait du roller! Elle fait du patin à glace, mais sans la glace. Odette, viens, on court, viens, on court, viens, on court. Non, je me suis pris... Odette, tu fais quoi? Reviens vite! Ok, on se sépare si tu veux, vas-y. Je suis obligée de l'abandonner, les gars. Elle est bête, elle veut pas me suivre. Oh là 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 là, je sais pas ce qu'il lui prend. Si ça se trouve, elle veut se battre avec elle. Vu qu'elle est jalouse, elle veut se battre. Je vais essayer de m'attacher là, les gars. Non, pas fait passer. C'est parfait. C'est parfait. Je vais passer juste derrière eux, ils ont rien vu. Là, on est bien. Va falloir que je retrouve Odette. J'espère qu'elle a pas pris des dégâts. Hein. Parce que je rappelle qu'on n'a pas beaucoup de vie. Odette, Odette, viens. Rejoins-moi vite. Oh non, ils sont derrière toi. Vite, cours. Odette, Odette, ça va? Il s'est rien passé? T'es pas blessé? Rien, c'est bon? J'espère que non, j'espère que non. T'inquiète. Ok, je m'inquiète pas. Viens, suis-moi, suis-moi. Il faut vite qu'on aille sur la arche, là, juste ici. On va monter tout au-dessus. Ok, suis-moi. Faut prendre de la hauteur pour essayer de trouver une solution. Là, c'est le début, les gars. Il faut absolument qu'on réfléchisse à comment les battre. C'est pas un problème. C'est à chaque fois que... Oh non, Odette, elle est tombée. Oh non, remonte vite, Odette, remonte vite. Elles arrivent, elles arrivent. Je les vois juste ici, regarde. Ah ouais.
Attends. Je vais prendre un truc. Regarde, j'ai des jumelles. Oda, je suis belle, épouse-moi. Je t'avais même pas vu, toi. Attends, je réfléchis, attends. Est-ce que je l'épouse? Dégage, laisse mon copain. Ah, elle m'a touché. Tiens, je l'ai fait tomber, cours, Odette, de cours. Non, je t'ai poussé aussi vite, cours, cours, cours. Échappe-toi, échappe-toi. Ouah, comment elles sont de super Odette. Ça se voit qu'elle a des chaussures de Wish, pas Wish, justement. Elle est juste derrière nous. Mais pourquoi elle court aussi vite, celle-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on l'a énervée. Ça y est, elles vont pouvoir courir vite, les gars. Oh non, je savais que j'aurais pas dû faire ça. On n'aurait pas dû les énerver. D'habitude, on met plus de temps à énerver les monstres, mais là, ça s'est fait trop vite. Parce qu'elle va absolument me faire un bisou. Après, j'avoue que quand tu vois un mec aussi beau gosse que moi, je peux comprendre. Allez. J'ai failli me blesser. Elle a sauté. Oh, carrément, ça se voit qu'elle m'aime bien. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose, les mecs, là, la technique que je connais par cœur. Regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Ah! Elle m'a vu. Ok, vite, faut que je m'échappe. Faut que je m'échappe. Faut que je m'échappe. Elle est toujours là. Elle m'a pas vu. Je crois qu'elle m'a pas vu. Nouvelle technique. Est-ce qu'elle m'a vu? Elle est juste là dehors. Elle m'a pas vu. Eh oh, j'y suis là. Ah, elle est passée devant moi, elle m'a même pas vu. Oh là 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 là. Ok. Elle a bien regardé tout autour, mais elle m'a toujours pas vu. Elle monte l'escalier, ok? Je suis pas en haut, mais ok. Elle regarde dans le truc de la télé. Wesh, elle veut faire un journal. Oh, imagine, elle fait un truc en mode, elle dit « Bonjour, la télévision, je vais dire... » Oh, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle va dire? Je suis toujours bien cachée. Ouais, ok, la personne peut me voir, ça rigole. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est là en mode... elle croit que c'est... Elle fait la météo, en fait. « Bonjour tout le monde. » Ah ouais, elle est en train de faire un podcast. Elle fait une vidéo YouTube. Elle s'est pris pour Barbie Jumper ou quoi? Par contre, c'est vrai qu'elle a des beaux les rouges à lèvres. Ils sont beaux gosses. Bon, allez, moi, je sors de ma cachette. Je vais chanter une petite musique. Quoi, 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 coubé. Quoi, quoi, coubé. Quoi, 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 coubé. Je suis sur la scène et je chante quoi, coubé. Et les Barbie, elles sont pas très belles. Oh, 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 oh. Je crois qu'elle a pas aimé ma chanson. Je suis pas sûre, mais je crois qu'elle a pas aimé. Oh, elle m'a pas vue. Je suis là, et oh, je suis là, au-dessus. Oh, c'est trop drôle de les embêter. Elle est là. Oh, et non, je suis pas sautée. Moi, oh, je regardais comment elle est grande, celle-là. Oh. Oui. Oh, j'espère que c'est la seule qui va grandir, hein, parce que j'ai pas envie de voir une Barbie géante. Hein. Oh non, 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 non. Je vais me cacher ici, regardez. C'est bon, elles me verront jamais. Oh, comment je suis bien cachée là. Ah là, je suis bien. Bien cachée. Coucou, les filles. C'est moi, Odette Cour. Ok, je vais donner un indice où je suis cachée et on va voir si elles sont intelligentes, ces Barbies. Parce que moi, on m'a toujours dit que les Barbies, c'est ben, des poupées, donc les poupées, normalement, elles ont pas de cerveau. Je suis à côté du motel. Je suis très très proche du motel. Wow, regardez comment elle est gigantesque, elle. Wow, elle fait trop méga peur. Elles arrivent. Il y en a une qui arrive à côté du motel. Oh non, 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 elle va pas. Oh, regardez, il y en a une juste là. Moi aussi, je suis Bing. Toi aussi, tu es Bing. Ah, elles m'ont trouvé. Oh non, j'ai perdu une vie. Oh, j'ai perdu une vie, mais pas entièrement. Toutes mes vies, donc il faut vite que je me dépêche. Il m'en reste plus que deux. Et Odette, je crois qu'il lui en reste plus que deux aussi, parce que tout à l'heure, elle s'est fait attraper. Wouah, regardez, elle est gigantesque, l'autre, là-bas. Wouah. Odette, je savais pas que c'était possible d'avoir des Barbies aussi grandes, hein. Vraiment, je sais pas si toi t'as déjà eu des Barbies, Odette, mais là, tu pourrais t'amuser à faire ce que tu veux, carrément. Tu pourrais même lui mettre des coups de pied, elle sentirait rien. Tiens, Odette, vite, monte, monte, monte.
J'ai une technique. Qu'est-ce qui s'est passé, Odette? Ça va bien? Elles sont là! Ok, faut vite que je m'échappe. Par ici, ok, juste là. Ouh! Ah, tu peux pas passer, hein? Ok. Elles me verront pas, là. Oh, je suis trop bien gâchée. Regardez comment elles me verront jamais! Ouh! J'y suis là! Je suis sur le plus haut point de Brookhaven. Le plus grand ciboire. Et ouais, tu croyais que t'étais grande, toi, hein? Eh ben non, eh ben non, ouais. Oh, regardez sa tête, comment elle est comme ça, là. Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles m'ont vu? Je crois pas, hein. En tout cas, il y a Odette qui est en train de rentrer dans la maison. Monte à l'étage, Odette, je viens te chercher. Ok, je viens te chercher. Hop, viens là, viens vite, passe par ici. Là. Ah là, Odette, tu l'as. Par ici. Hop. Ensuite, tu sautes là-dessus. Non, là, c'est là. Ici, c'est ouvert. Ensuite, tu sautes là, tu sautes sur le toit. Oh, la feuille rouge, j'ai remonté, elle. Aïe, pourquoi ça te fait ça, là? Je comprends pas. Ouh, salut, Barbie. I'm a baby girl in a baby world. Mon chou-fleur, il m'a appelé. Ouais, t'as cru que j'étais un chou-fleur? Eh ben toi, t'es un concombre. Espèce de sale concombre. Hein. Ah non! Courodette! Elles ont réussi à sauver. Oh bon. Faut que je vole la voiture à Odette. Non, je crois que je peux pas la conduire. Non, je peux pas. Vite. Faut que j'aille me cacher. Je sais où je peux aller. Oh, il y en a une ici aussi, une gigantesque. Oh non, ils sont partout, ça y est, c'est commence. Ok, ici. Ensuite ici, je vais aller ici. Wow! Elle a carrément le truc de TV! De Spibi des toilettes! Wow, c'est trop une dinguerie! Non mais là, c'est pas possible, faut que je saute par la fenêtre, Carmario! J'ai réussi à m'envoler. J'ai pas encore réussi à me remettre de ma constipation, du coup j'ai toujours du mal à voler, les gars. Ça me fait mal aux fesses à chaque fois. C'est trop compliqué, je te jure. Faut absolument que je trouve une solution pour me débarrasser de ces Barbies de Wish. Est-ce que vous avez une idée, vous? Oh, j'en ai une! Qu'est-ce que les Barbies détestent le plus? La saleté! Elles veulent toujours que tout soit propre, tout rose, tout beau. J'ai une idée. Je vais aller à mon laboratoire tout de suite. Oui, je me suis cognée encore. Ah, d'abord, je vais regarder mon petit épisode de Peppa Pig. Il est trop drôle, cet épisode de Peppa Pig. Wesh, il y a deux Barbies en véhicule. Oula, ça, j'aime pas trop beaucoup, ça. Oh non, elles sont en train d'arriver dans la maison. Oh, vite. Faut que j'aille dans mon laboratoire, tout de suite. Ok, j'y suis. Alors, comment tuer une Barbie? C'est bien ce qui me semblait. Il faut vraiment faire de la saleté. J'ai une idée. Regarde ce que j'ai fait, Odette. C'est un lanceur de prout. Oh là là, celui-là, je te le dis, c'est l'un des meilleurs. Hein. Quand tu vas le voir, je pense que tu vas pas vouloir le sentir. Clairement, moi, j'ai pas envie. Si vous voulez que je pète sur les Barbies, mettez un like en moins de 3 secondes et abonnez-vous avec la cloche. Sinon, je pourrais pas réussir à gagner. Pas vrai, Odette? Il faut qu'il le fasse, hein. Allez, je compte jusqu'à 3. 3, 2, 1, 0. Et dis-moi en commentaire si t'as réussi à le faire. Allez, Odette, nous, il faut qu'on y retourne. Oh, elles sont encore plus grandes que tout à l'heure. Non, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. On va aller ici, Odette, viens, suis-moi. Vite, monte, là. Assieds-toi. On va faire genre qu'on est là, tranquille, au calme. Elles nous ont vues. Oh, elles arrivent, juste derrière le tuyau, là. Oh, c'est bon, elle est redescendue, le débile. Elle s'est assise à une table, elle croit qu'elle va manger McDo ou quoi? C'est bon, elle sort. Oh non, elles sont gigantesques, elles vont détruire la ville. Faut vraiment qu'on trouve une solution, Odette. Je crois que j'ai vu quelque chose derrière le rideau. Bonjour. Ah, stop. Eh, stop, vous avez pas le droit de faire ça. Oh là là. Bonjour. Madame la Barbie. Odette, recule. Tiens. Voilà, je leur pète dessus. Oh, ça pue. Oh, dégueulasse. Oh, c'est bon, elle a fui. Oh, ça les fait fuir. Mais
ça les tue pas. Donc il doit y avoir une autre solution. Viens, faut qu'on se tire. On s'enfuit, vite, vite, vite. Oh non, elles sont grandes, elles protègent le devant, il faut aller à l'arrière, vite. Oh, c'est bon, on a réussi. J'ai perdu Odette. Ah non, elle est là, c'est bon. Elle est pourchassée, mais tout va bien. Elles sont trop grandes, ces Barbie, c'est trop une dinguerie, c'est trop. J'ai une idée, Odette, je vais m'envoler. Cours ! Je vais aller ici. Ah, il fait trop chaud, il y a de la canicule en ce moment, les gars, c'est pour ça aussi. Oh, ça va bien, donc. Ça fait une heure que je me repose, les gars, je pense que ça devrait aller. Je sais pas où est Odette, en tout cas. Je vais essayer de la retrouver. Odette, t'es où? Je vais regarder dans mes jumelles. Je vois rien. Où elle peut être? Elle est là! Ok, Odette, vas-y, va à l'école et cache-toi. Je te vois avec mon drone. Elle est juste derrière toi, donc t'arrêtes surtout pas, Odette. T'arrêtes surtout pas. Je crois que tu vas pouvoir la brain. Bien joué. Continue de courir, tu es presque. Bon, je crois que tu l'as eu. Ah non, elle passe à travers les fenêtres. Elle a cassé tous les murs de l'école. D'un côté, tant mieux. La rentrée, elle sera repoussée, je pense. Ça fait plaisir, ça. Oh. Et vous, c'est quand votre rentrée? J'ai vu quelque chose, là, derrière moi. Ah ouais, il y a une Barbie qui m'a retrouvée. Faut que je fasse de l'équilibrims. Oh. Oh, elle y arrive encore mieux que moi. Yo. Oh, elle est tombée. Ah, je suis tombée aussi. Ok. Les gars, je crois que j'ai une autre idée pour m'en débarrasser une bonne fois pour toutes de ces Barbies. Je vais pas leur faire des bisous comme Grimace Shake parce que c'est ce qu'elle veut. Et après, Odette, elle sera jalouse. Mais je vais leur utiliser une technique. Maintenant que je suis plus constipée, je vais leur faire caca dessus. Ça, c'est une bonne idée. Technique du caca ultime. Ça, tu vas voir qu'elles vont bien détester. Elles vont vite rentrer chez eux. Hein. Ah, ça, c'est clair. Et enfin, à la fin de la vidéo, on comprendra qui c'est qui les a envoyés. Parce que je suis sûre que c'est quelqu'un de méchant. Qui ça pourrait être? Odette, elle est toujours à l'école, je pense, parce qu'il y a beaucoup de Barbie autour. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai pu me reposer, j'ai beaucoup de puissance. Toi aussi, tiens. Ça a marché, regardez. Elle a réussi à souffrir à cause de l'odeur de mon caca. C'est n'importe quoi. Oh, ça a marché sur toutes. Wow, ça les a détruits. Et Odette, elle s'était même transformée carrément. Ah, super Odette, on a réussi. Oh, c'était pas facile. Je sais pas d'où elles viennent, ces Barbies. Mais je pense qu'on en saura plus. Je pense que c'est la team méchant. Je sais pas, moi. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, marquez Oda le boss dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un like. À la prochaine fois. Mais je laisse tout par terre. Tu veux me laisser de demi-tour arrière. Tu dois liker et t'abonner. Tu vas pas le regretter. Avec moi.